Eh bien quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors que je vais hésiter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous connaissons. Nous avons 30. Nous allons en 34. Oui, c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Ne te gêne plus. Ne te gêne plus, mon tolito, je pendant que tu y es. Rien dit, j'ai pas d'aide à renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panisse, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment. Je me demande toujours si Panny se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Mais réfléchis en silence. Tu as raison, t'as pas besoin de parler. Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces. Tenez, monsieur Brown, surveillez Scartefig, moi je surveille César.